Donc les lycées pro, souvent on leur dit allez, la littérature c'est pas pour vous, les arts c'est pas pour vous, la culture avec un grand C c'est pas pour vous, et ben c'est faux. J'espère que ces rapports à la culture que vous avez grâce à ce prix littéraire, eh bien ça vous autorise, vous, à aller vers ces modes d'expression, que ce soit par la lecture, par le cinéma ou par la bande dessinée. Ça, c'est une BD de Florence Dupré-Latour. Wow. C'est l'histoire d'une fille qui est puceau. Pucelle ou plutôt ignorante sur tout ce qui concerne la sexualité. Sa maman tombe enceinte et elle se demande comment c'est arrivé. Pour le papa, il met une petite graine dans la maman et la graine est grandit. Elle sent qu'on lui cache quelque chose. Elle n'est pas bête, elle observe les animaux en train de s'accoupler. Oh. Mais personne ne veut lui expliquer la chose. Ça suffit, Florence. Va dans ta chambre. Alors son malaise grandit. Et quand elle a ses règles, c'est la honte. Elle n'en parle à personne. La honte, la colère, voilà ce qui s'apporte de toi quand on t'explique pas les bases. On a besoin des bases. On a besoin des bases. On a besoin des bases. On dit toujours que les garçons naissent dans des choses. Simple. Et que les petites filles naissent dans des roses. Basique. On dit que papa et maman s'aiment très très fort. Simple. Et que bébé arrive comme par magie. Basique. Si c'est un garçon, faut du bleu. Simple. Si c'est une fille, faut du rose. Basique. Moi, mes enfants, je les habillerai en violet. Simple. Il y a vraiment des choses qui ont besoin de changer. Basique. Dans la vie, il y a rien à craindre et tout à comprendre. Simple. Il est grand temps de comprendre pour avoir moins peur. Vas-y. On a besoin de base. On a besoin des bases. 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 Oh, c'est beau ce que t'as dit. C'est gentil. Mais c'est pas de moi. C'est de qui? De Marie Curie. Non. Si, si, si. Elle qui est au lycée. Oui. Allez, frérot. Les sentiments, l'amour, ça se dessine pas. Hein. Donc on trouve d'autres astuces pour les dessiner. Et ça passe par des images, effectivement, qui sont chargées d'angoisse. Qu'est-ce qu'on prend comme format? Comment on y va? On libère un peu la main, l'épaule, l'esprit. Enfin. Et puis on fait un truc qui est représentatif un peu de ce que vous avez étudié, c'est-à-dire le roman La Pucelle. Si on peut appeler ça un roman, puisque c'est à la fois un roman et une BD, peut-être. Hein. Je sais pas, déjà en priorité, je pense que je vais mettre quelques mots. Je pense qu'on va se répartir deux, trois mots par personne pour mettre sur l'œuvre. Je pense que ça peut être cool. Libérez votre créativité, allez-y maintenant. Donc là, je suis en train de terminer, de faire quelque chose de bien renfermé, bien faire en sorte qu'on est enfermé en fait. Renfermé à quel niveau? Mental. En fait, c'est la fermeture mentale. Là, je représente des feuilles. Du coup, comme j'ai choisi le thème des règles, les feuilles vont être ensanglantées de sang. La sexualité, c'est assez tabou dans certaines familles. On ne veut pas s'exposer à dire « Ah, moi, la sexualité, je ne vais pas en parler, ça ne me touche pas. » Ou même, ça peut même rapporter à certaines religions. Donc, ça apporte une vision. Le livre apporte une vision. L'interdit. Comme je l'ai dit, dans certaines familles, on n'ose pas en parler. Ou on ne veut pas en parler, du coup, c'est un interdit chez certains. Il est magnifique, mon bouge. C'est un bureau. C'est le courage de parler qu'elle parle à ses parents. Ouais. Et du coup, c'est pour les deux genres, du coup, voilà, on a fait violer. De pas avoir peur de s'exprimer. Je vois pas de point négatif. Oui, c'est pas le même mot. Ouais. C'est la carte pour moi. Pucelle ! Et l'imperfection du dessin, ça veut pas dire que c'est un mauvais dessin. Ça veut dire que c'est un dessin qui traduit autre chose. Pour moi, les dessins les plus touchants, c'est les dessins de vos âges, justement.